Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 56e jour de notre Let's Play 7 Days to Die Alpha 20 en coop avec Lodos, Sal Dami Capo. Aujourd'hui c'est jour de horde, on finit les préparatifs, on espère que ça va bien se passer. Allez, en route. J'ai remplacé, mais... Non, je peux pas renforcer. Ah non, c'est pas ça. Je crois que je me suis trompé. Qu'est-ce t'as pété? Au lieu de le renforcer, il l'a cassé. C'est trop de touche. J'ai utilisé la boulonneuse à choc au lieu du pistolet à clous. C'est relou parce qu'il faut que je remette l'orientation à chaque fois. J'ai pas d'acier sur moi. Il y en a qui sont abîmés là, des trucs. Il faut bien renforcer tout ça là. Ah oui, tiens, regarde, il y a un bloc, là, je le vois à 3000 en dessous, là. Il y a des blocs qui vont péter. 9009, 9008, là, ça va. Où est-ce que tu vois à 3000 en dessous? Ça doit être un bloc de pierre en bas. À mon avis, c'est un bloc de pierre que j'ai visé. Ouais, c'est les blocs de pierre qui sont juste en dessous les trappes. Ils sont fatigués. J'ai pas d'acier de toute façon. Bon, je renforce la pierre, déjà. Le terre c'est bon, myrtille c'est bon. Je fasse maïs. Non, les pommes de terre, c'est là. Et ça passe pas des trous. J'ai plus de ciment, c'est ça? Non, j'ai plus d'acier. Ouais, ça, c'est une boule d'acier. Merde. Le ciment, tu l'avais lancé déjà? J'en avais lancé, ouais, dans les deux. Il y en a quasi plus. Du béton, oui. Du coup. Hey, on a plus de ciment du tout en fait. Il devait y en avoir 1200 de béton normalement. Ouais, ah oui, en fait, on avait plus du tout de ciment donc je relance du ciment. Il y a 400 béton près. J'ai 289 béton sur moi donc. Je reprends un petit paquet, moi 130 sur moi. C'est de la pierre à pavé qu'on a presque plus aussi. Pierre à pavé, j'en ai 940. Je vais en faire un peu. Faudrait se mettre un ou deux ateliers de plus pour faire ça. Ouais, non, on peut la faire sur soi la pierre. Ouais, moi aussi. Je renonce 40 béton, c'est ce que j'avais sur moi. Ah mais sinon j'en ai sur moi du béton, c'est de l'acier que je vais faire. On se demande où il est passé l'acier. À l'acier j'en avais relancé, il y en a 119 dans la forge, 164 qui est prêt. Quelqu'un est passé recharger les forges en bas? Oui, j'ai rechargé en bois et en argile, en fer, j'ai tout rechargé. On doit trouver du charbon, c'est quand même plus efficace que le bois, ça dure plus longtemps. C'est vrai. On en a encore un peu de charbon, mais s'il faut refaire de la poudre... J'ai rempli le stock de bois. On peut faire du carburant et mettre du carburant carrément. Hein. Ça brûle bien aussi. Vu qu'avec le schiste bitumeux, on peut faire un gros paquet de carburant. Ouais. Quelqu'un peut le faire, le carburant? C'est qui? Ouais, c'est moi. Vu que l'atelier de chimie ne tourne pas, tu pourras peut-être relancer du carburant. Ouais, j'avais pas tout fait. Non, il reste un stack. Attends, et 83 de schiste. C'est bizarre l'enseigne de Bob Café qui est tombée quand même. Ouais, surtout je suis tout en haut, quoi. C'est un peu bizarre. Oh, j'ai débloqué la pile, carrément. Ah, t'as la pile. Oh, c'est génial. Ça fait des piles de 10 000, c'est énorme. Ouais, j'en lance 8, là. Oh bah, là, au moins, on va avoir de quoi alimenter. Hein. Ouais, tout à l'heure, ouais, j'avais mis assez de bois pour que le fer fonde, vu que c'est un fer seconde, et qu'on en met 6 000. J'en avais mis assez pour le temps, mais l'argile est plus long, c'est toutes les 5 secondes, donc il fallait recharger du bois en bas. D'ailleurs, il va m'en refalloir... Qu'est-ce qui...
qu'il me faudra un peu d'acier. Je vais prendre un petit peu de carburant. Je vais prendre un stock de 10 000, je vais le descendre en bas. Ou par contre, ce qu'on n'a pas récupéré, c'est les pièces électriques. Ah oui, c'est vrai. Il y en a quelques-unes tout à l'heure, mais pas beaucoup. Ouais. On en a combien, je sais plus. Il y en avait 100 et quelques. Alors en bas, il y a machine à café, machine à boisson. Pour faire une deuxième caisse de bouffe. On en a plus que 69 pièces électriques. J'en ai pris la moitié, ouais. J'en ai pris 69. D'accord. Les lumières, je crois que les lumières, ça en donnait aussi, non? Ça en donne pas les trucs ici, là. Les lampadaires ça, non, les gros lampadaires extérieurs, ça en donne pas. Ah non, ça, tu tapes dessus. Si, ça dévisse. Ça, ça donne du fer. Quoi? Les lampes, ça donne des... Des trucs mécaniques? C'est électrique, ça. Ah, t'as les petits boîtiers électriques. Toutes les lumières dans l'étage d'en dessous, ça en donne, je suis en train de les récupérer. Une crieuse. J'ai pas vu où elle était, elle est là-bas. Oh, il y a du papier. J'ai eu la crieuse ? Ah ouais, j'ai eu la crieuse. Le panneau excite aussi, en donne. Qu'est-ce que ça enregistre, ça en donne? Oui. Machine à boisson en donne. Oh, j'ai vu les trucs, ça va, c'est quoi? Merci pour les caisses d'armes. Le chat. Le panneau open, ça donnait rien. Oh, les pompes à essence, elles marchaient à côté de la maison, dis donc. Je me souvenais plus. Oui, il y a deux gazinières en bas. Oh, ils en donnent pas, les gazinières. Mince. Ouais, remarque, les pompes à essence, je peux les démonter. On s'en servira pas. Le frigo. Ils en donnent. Pompes à essence. Ouais. On peut pas trop charger le carburant avec les pompes à essence. Bah, on peut en récupérer à chaque fois que ça repop, mais c'est pas grand chose. Là, j'ai récupéré 589, quoi. Ouais. Ça sert à rien. Bon, j'ai récupéré tout ce qui était électrique à l'étage d'en dessous. Bon, de 69, je suis monté à 91. Petit plafonnier, là, ça en donne, ça? Ouais. Ok, 14h. Du coup, est-ce que ça c'était réparé? Qu'est-ce qu'il manque? Ah, du fer. Faut le faire forger aussi pour ça. Diantre. Ça, je disais le fer tout à l'heure, il n'y en a plus beaucoup. Il faudrait faire un petit peu de fer d'avance. On peut le faire en bas éventuellement. Vu qu'il n'y a pas encore les creusets. Yes, bah j'y suis, j'y vais. Ouais, je vais avancer. Ah, j'ai de la glace. Si vous avez besoin de glace, j'ai de la glace. Ah bah c'est à Elruc qu'il faut dire ça, c'est le cuisinier. Ouais, pour faire des smoothies, je crois que j'ai les recettes. J'ai 8 glaces là que j'ai eu dans une machine à glaçons d'une maison. En la cassant, ça m'a donné la glace. Ah non, mais ils m'ont pété. Quoi? Oh non! Vous avez vu que c'est pété là? Où ça? Bah là, là où je suis, sur la rambarde. Non. Qu'est-ce qu'ils ont cassé sur la rambarde encore? Là, regarde, le... Attends, je suis pas bon, là, dans la rue. Il y a un bloc de cassé. Du coup, il faut que je retire le... Ou je reprenne ça, il faut que je reprenne un poteau de clôture électrique. Il y a le bloc qui tenait le poteau de clôture électrique qui a pété. Attention,
sur une hurleuse. Ah, elle a hurlé trop tard. T'arrives pas. Non. Ah. Pourquoi ça casse là? Il y a un bug. Il y a un bug, c'est pas normal que ça casse comme ça. Là, ça a cassé direct. Ou ça, en mettant en haut? Ouais. Dès que j'ai posé mon poteau de clôture électrique, ça a pété. Ah. C'est normal. Il y a eu un patch il y a pas longtemps, là. Une mise à jour, là, il y a 2-3 jours. Ouais. Quand j'ai regardé côté serveur, là, tout à l'heure, il y avait rien. Il n'y avait pas d'update à faire. Donc, j'ai pas fait d'update. Moi non plus, j'ai pas fait d'update. C'est bizarre parce que les blocs d'acier, quoi, les blocs renforcés en acier, tu pouvais en aligner 9 dans le vide normalement, ouais, sans que ça tombe. Ah ouais. Ouais, carrément. Après, c'est pas que le bloc. Le bloc en lui-même, il a pas bougé. C'est dès l'instant où j'ai mis le poteau. Ouais, d'accord. Ok, bizarre. J'en remets pas, hein, tant pis. Que... Ouais. J'en remets pas. C'est bizarre. Ou sinon j'ai une mitrailleuse M60 niveau 1. Ouais, pour faire passer les fils, t'as les meurtrières. Hein, pour faire passer les câbles. Oui, yep. Mais... Ouais. Bon, moi je vais me faire une petite pause vite fait avant la horde, pour être histoire de pleine forme. J'ai lancé 300 fer en bas. Rue, il y a, j'étais remis le plein de nourriture. Merci. Vous êtes bien urbain. Bien urbain. De suite. Ouh, j'ai un Desert Vulture level 1. Les armes, je les avais mis ailleurs. Oui, on les avait enlevées des munitions. Les armes, vous avez mis ici, où là. Là, il y a une caisse ici. Rue, à ta droite. Après les casiers. Ah oui, merci. Oui, une massue en acier level 5 que personne n'a utilisé. C'est justement ce que j'avais dit à Sabdam la dernière fois. Qui, en fait, je me souvenais que je lui avais fait et j'en avais pris une autre. Je suis désolé. Pas grave. Et un jour, on a un invité sur lui, il aurait sa massette. Ok. Ranger ça, ranger l'essence, j'en ai pas besoin sur moi pour la horde. Dans le machin bleu à côté, je vois beaucoup. Ouh, j'ai une M60. Level 4. C'est un pistolet mitrailleur. Ouais. Ça prend quoi comme balle? 9 mm, pistolet mitrailleur. Non, c'est du 7,62. Ah bon? C'est du 7,62. Oh, bizarre. Niveau 4. Donc ça va remplacer... Eh non, boulet! Après, niveau fusil, c'est le fusil d'assaut tactique qui est le meilleur normalement. Non, je dis des bêtises. C'est la sulfateuse, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça ressemble un peu au minigun. Mais c'est pas ça? Si, ça ressemble bien à ça, ouais. Ça ressemble bien à ça. Mais par contre, ouais, les designs, ils ont vachement changé, hein. Mais ouais, ça ressemblait à ça avec le gros magasin. Par contre, c'est un bouffe-munition. Hein. C'est pour ça qu'on préférait le fusil d'assaut tactique. D'accord. Bah, je vais bien voir. Ah ouais, c'est un vrai bouffe-munition. Ça fait du dégât, mais c'est un bouffe-munition. Ton chargeur, tu vas lui dire quelques secondes. Donc, tu me recommandes de pas l'utiliser. Bah, je vais le prendre quand même pour celle-là. Ouh, non, tu peux l'utiliser. C'est fun, mais faut avoir vraiment un gros stock. Heureux. Faut vraiment un gros stock de 7,62. Hein. Pour une horde, il va te falloir au moins 4 ou 5 stacks, hein, si tu veux tenir. Minimum.
Je prends une partie de l'acier qui est préparé là avant pour la réparation pendant la horde. Yes. Par contre, Elru, sans vouloir te commander, tu peux descendre et relancer de l'acier en bas. Je pouvais moi en relancer 108 dans toutes celles qui étaient tout à gauche où il y avait le creuset. Je pouvais en lancer 108, donc toi tu devrais pouvoir en lancer 150. Ouais. Ah, je peux pas descendre, ça me coince. Ouais, mais moi c'est pareil. J'ai du mal à descendre, je sais pas pourquoi. J'ai hop, je vais mourir. J'ai perdu, je me suis pété une jambe. La boulet. Faut appuyer sur la barre d'espace quand tu chutes. Oui, et j'ai pas appuyé sur la barre d'espace quand j'ai chuté. J'en lance 183. Ah bah, plus que je le croyais. C'est pour ça qu'il faut récupérer quelques bottes de foin et les mettre en bas des... de l'échelle. Cours, c'est pas grave. Je sais pas si on pouvait pas les fabriquer, les bottes de foin, par contre. Voilà, je pense que si. Si, tu peux fabriquer, je crois, avec de la fibre. Ah, si, on peut aller faire les bottes de foin avec de la fibre, effectivement. Il faut 10 fibres. Il faut en mettre tout en bas de la... de ouais, l'échelle. Ouais, de l'échelle. Il faudra repéter le bloc et... Voilà. Et 19h, attention. Ouais. Bah, le temps que ça arrive, je vais faire aussi une petite escale technique. Et comme ça, on démarre par la horde. A tout de suite, messieurs. A tout de suite. On met les portes sur les côtés. Pas grave, t'en as une autre. Ouais. On ferme ici. Hop. Il faudra peut-être fermer un petit peu ici avec les... J'attends les fenêtres. Ouais. Tout simplement. Capo qui ferme toutes les portes. Ouais, pas les inciter, quoi, pour être sûr qu'ils viennent que sur la rampe. Ouais, ce passage-là, j'aime pas. Il faudrait se mettre un petit portail. Mais c'est ce que je voudrais fabriquer, mais il faut beaucoup de matos. Ouais, faire un portail électrique. Ouais. Il faudrait vraiment se clôturer sauf la rampe, quoi, qu'ils puissent passer par la rampe, nulle part ailleurs. Et mettre du sol, même à 20 mètres de la maison, mettre du sol partout, pour pas qu'il puisse se mettre 2-3 blocs autour de la rampe. Tout autour de la maison, mettre là dans le jardin, mettre des sols, partout. Même juste mettre des blocs de base. Hein. Oh, ça suffit. Oui, jusqu'à niveau 2, tout simplement, pour pas qu'on le prenne par inadvertance. Voilà, ouais. Parce que là, les hordes elles vont commencer, et puis les zombies vont commencer à être beaucoup plus méchants avec nous, en même temps qu'on monte dans le bois. Une heure de pause. Nickel. Ah, j'ai 2 points, hein, je sais pas. T'as 2 points ? J'aimerais bien en avoir des points, moi. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir. C'est plus sûr. Bah, en fait, moi, mes objectifs, ils étaient tous remplis. J'avoue que j'avais pas monté la bulle ou les trucs comme ça. Mettre la terreur en sexuelle, c'était bon. J'étais parti sur quoi après ? A priori, on n'a pas besoin de ça. On ne devrait pas avoir besoin. Là, normalement, ils viennent que sur les deux du milieu, là. Ouais. Je sais pas si j'avais monté tous les points pour vous. Si, charisme naturel, j'étais à 4. Ok. Les tourelles sont allumées. Ah, elles sont pas allumées, elles sont pas remplies. Attends. Ils avaient pas beaucoup dépensé, je pense, la dernière fois. Dans le doute, je prends des balles de pompe et j'y vais. Pas beaucoup dépensé, tu veux dire qu'il y en avait une qui était entièrement vide ? Et l'autre aussi ? Ah ouais ? Elles sont rechargées. Ça fait 900 cartouches de pompe hein, que j'ai chargé dedans.
On va dire que les cartouches de pompe, ça va manquer. Merci. Je me suis vautré. Au lieu de faire réparer, j'ai fait recycler. Yeah. Recycler quoi? Mes jambières, je sais plus quoi. Bon, c'est pas bon. Oups. Merci. Hey, merci. Et qu'on parte avec full life quand même. Ah oui, ça j'avais dit. Je rangeais. Et pour voir la horde, un petit gain de... comment en mêlée, ça peut être sympa. Ouais, un petit boost mêlée pendant la horde, ça ferait plaisir. Allez, c'est parti. Non, c'est un bug, j'ai eu un bug visuel. C'est pas beau. Are you ready? Donc là, ici, il nous touche, hein. Attention. Hein. Faut reculer, ma part. Pensez à manger, à boire. Ouais, ça c'est bon. Ah c'est oui, j'ai l'estomac qui gargouille. Ah, c'est bon, j'ai mangé les bits. I am ready. C'est parti. Et ça commence avec une crieuse. J'ai tout allumé. Et c'est fait allumer. Tu craches là-bas, toi. On est là. Oh. Ils rigolent pas, les... Ah ouais, par contre, c'est ça le problème, c'est que... Ça fait des dégâts à l'opposé. Je dis après. Ça fait des dégâts à l'opposé. Parce que du coup, comme il y a des dégâts, ils voient que c'est plus facile. Ah, il y avait un boomer ? Ouais, non, il y a XK qui a fait boom. Il y en a un autre. Je vais vérifier la dégradation. À distance. On a mis ça dans le soin. Ouais. C'est un peu du tel marron. Et contre bande de papier. Non, ouais. C'est déjà 45 secondes. Ah,
Ah non, la flotte de contrebande, c'est les dégâts en mêlée. Un détroit. J'avais pas vu. Non, mais c'est pas mieux que le bonus. Y'a un boomer, y'a un boomer, y'a un boomer, y'a un boomer. Ah il va boomer. Ouais. Merci, c'est la rampe. Non, ça a l'air d'aller, ils sont tous là. Ils arrivent tous à monter encore. Non, il était... Y'a un boomer, y'a un boomer, y'a un boomer. Il est mort. Ah bon, c'est pète. Cool. Le boomer, il avait pété allongé sur la... sur la rampe de gauche. Ouais, boomer. Il est mort avant. Un deuxième. Ah, il va péter lui. Ok. J'avais dit. Je vais essayer de le tuer, mais... Bah en fait, une fois qu'il a fait bip bip, c'est mort. Si, tu peux encore tuer. Oui, tu peux encore tuer, mais il pètera quand même. Faut le tuer avant qu'il fasse bip-bip. Il y a du vautour dehors. Je les attire. Ah! Oh putain, je vais crever. Alors? Je lag et j'avais des vautours ferales. Wow. Boomer. Il est mort. Il est pas mort. Il va péter. Il est tombé en bas. Heureusement que l'acier résiste bien quand même, hein. Il y en a deux qui produit en haut. Ouais, c'est ce que je voyais. Encore un bip-bip, là. Le lag, je vois une image qui est...
lag, c'est horrible. Hein. Ouais, merci, c'est, ça commence à faire beaucoup de zombies en simultané. C'est pas dommage. Bah y a même un Dexka qui sont encore là. Bon. Bah, ça a l'air d'être mieux. J'ai juste eu un gros arrêt sur image. Merci. Toi tu tapes dans le vide Coco, viens par ici plutôt. Youhou. Oh bah allez moi. Ouais, ça m'énerve de voir taper dans le vide. Youhou. Et là. Ok. Ah. Allez, c'est le dernier cette fois-ci. Ah oui, d'accord, la rampe ici, elle était cassée. Il n'y a rien, en fait, en loot. Alors, j'en ai ramassé beaucoup qui étaient en surface. Voilà, non, je vais pas remourir maintenant. Hein. Derrière toi, capot, sale dame. Bon, je suis là, hein. Et je t'avais dit. Tu vas te casser, toi. Oh. Je suis tranquille. Oh là là. Ok. Ben, sur la rampe, il va falloir juste remettre un bloc et après. Ouais, juste des repas, c'est tout quoi, rien de cassé vraiment. Ok, ah par contre on a perdu une tourelle, il y en avait pas trois? Non, il y en avait deux. Ah d'accord. Toujours eu deux. Par contre la rampe elle était à deux tiers. Ouais là ouais, t'es en train de réparer, derrière ça va. Ouais ça va, il y a rien qui est en dessous des 60%. Ah mince, je me suis trompé.
Ça me donne encore recycler un truc. Non, il a mis le bloc où il fallait pas. J'ai eu de copier, j'ai fait installer. Bon bah ça va. Pas trop de bobos. Alors qu'est-ce que j'ai loot? Ouais, j'ai bien réparé, hein, je vais te dire. Pas trop de bobos, mais plus trop d'acier, moi. J'ai même plus du tout d'acier. Pistole, là. Qu'est-ce que j'ai chopé? Ouh, de la jambière en cuir, dis donc. Des chaussures en cuir, dis donc. Ah, des bottes en fer level 2, ça peut être... Non, j'ai des bottes en acier. Oh, j'ai une infection. Ouais, j'ai une infection. Antibiotique. Le cas de l'acier viendra renforcer... Ah, une infection... Ah oui, par les Z, ok, d'accord. Ah, j'ai bloqué. J'ai plus d'acier. J'en ai jamais sur moi, non. J'en ai 93 sur moi, t'as des trucs à... Pour renforcer dans la rampe, j'ai... Y a plus qu'à mettre de l'acier. Dans la rampe. Là... Si c'est à 9005, je touche pas, hein. Je vais pas utiliser un 10 acier pour ça, ou je sais pas, 12 acier. C'est un acier pour réparer. C'est que un acier pour réparer, t'inquiète pas, c'est pas non plus... Ouais. Pomme de terre au four, ça par contre c'est du cuit, c'est avec le cru. Bon. Donc, si vous lootez un super arc, vous me le redonnerez parce que du coup, quand j'ai tout perdu le dernier coup, bah, j'ai tout pour l'arc et arbalète. Ok. Glouglou. Gerbe d'or. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tartine de thon ou jus de viande? Ah, ça demande des petits pois. On a jamais de conserve de petits pois. Jamais assez. Non, on n'en loot vraiment pas beaucoup. J'ai mis un pète la pistole dans les bouquins. Volume 4. Oh là là, mais ça lag encore, hein. J'ai posé. Vous savez quoi, je balance de la viande grillée parce que ça libérera un peu les stocks. Alors attends, je te mets des ingrédients, j'ai quelques boîtes de conserve, voir si ça t'intéresse ou pas. Bah, c'est-à-dire que là, la caisse elle est pleine. J'ai du bouillon, des ça, pâtes oui. Et du thon. Bah, on regarde de toute façon si ça peut pas se stacker. Oui, si, c'est des compos. Hein. Ah bah, tout a pu se stacker donc c'est parfait. Allez. Ok. J'ai faim. Mange. Magnum 44, j'utilise pas. Bah, c'est hallucinant parce que les trucs que j'ai lootés par terre, ça m'a remboursé quasiment toutes les munitions que j'ai utilisées. C'est plutôt cool. Ah, moi, je ressors avec plus de munitions de 7,62 que j'ai commencé, plus de munitions pareil, de pompe. Par contre, un peu moins de munitions de pompe, par contre. Genre. Calibre 9, j'en ai bouffé beaucoup. Calibre 9, à peine, mais... Bah, en fait, j'avais pris deux stacks de pompes, et là, j'en ai un complet et un avec 142. Quasiment remboursé, quoi. C'est cool. Moi je dois être à peu près kiff sur le pont. Et 7,62 j'en ai reposé parce que j'en avais plus. Ouais, faut que je m'en reprenne de 7,62. Armure, ça va avec les armes. Non, on n'avait pas mis. Perso, je mets tout vis-à-vis des traders donc. Moi je mets les armures en fer quand même avec les armes.
Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.